Je pense que la clé c'était la défense jusqu'au début et dès le début c'était la défense parce que le coach nous a parlé et on est resté unis. Du coup c'est à cause de la défense qu'on a pu marquer en contre-attaque parce qu'on est à 19 steals. Du coup ça nous a beaucoup aidé à prendre confiance sur les tirs et à beaucoup jouer en transition et aussi on joue encore de plus en plus. C'est le troisième match du coup les gens s'habituent au système des coachs. Je peux dire que le coach n'est pas satisfait en ce moment. On a une victoire, mais il n'est pas encore satisfait parce qu'il n'a pas encore le jeu qu'il veut. On évolue, on fait des passes et tout, mais ça reste beaucoup encore à travailler. C'est rien de personnel. On a parlé au coach, on a eu un discours avec le coach avant le match qui nous a beaucoup, beaucoup motivés. C'est la raison pour laquelle on a bien défendu. Et en attaque, je pense que je n'ai toujours pas la réussite que je veux. C'est juste qu'on a bien joué, on a eu des transitions en contre-attaque et le coach m'aide à être patient encore. Du coup, ça m'aide à... Et ça me motive aussi quand je parle au coach et les joueurs aussi me motivent pour mieux jouer. Du coup, quand je défends mieux, je me sens plus à l'aise en attaque. Les matchs avec les équipes nationales, c'est des matchs expérimentés. C'est les meilleurs de chaque équipe qu'on amène en équipe nationale. Je pense que la balle aussi, c'est une compétition où on prend les meilleurs de chaque championnat et on y ajoute des Américains et la plupart du temps des étrangers. Du coup, à la balle, tu as tout le temps des adversaires qui sont pas de la même nationalité africaine que toi. Et je pense que on peut comparer les deux comme l'afro-basket et la BIL parce qu'il y a toujours le niveau.